Eh bien salut, c'est Agi, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Et donc on se retrouve pour l'épisode 2 de Pikmin 3. Donc dans le premier épisode, si tu t'en souviens, on avait atterri sur une map où on a commencé à découvrir les Pikmin et découvrir comment jouer en fait avec le gamepad. C'était un semblant de tutoriel. Voilà. Alors pour cette deuxième partie, nous avons débloqué le verger de l'espoir. Et on va s'y rendre tout de suite, donc on va atterrir. Let's go! Avec le petit vaisseau qui nous suit. Ping! Verger de l'espoir. Provision x2. En fait, il me reste 2 jours à vivre avec ça. Et si je pense qu'on... Si on n'a plus de provision, je pense qu'on meurt. Oh, joli papillon. Mademoiselle Brittany devrait se trouver quelque part par ici. Il ne me reste plus beaucoup de provisions. Il faut que je parte à sa recherche en prenant garde à ne pas perdre trop de temps. Ok. L'oignon m'a suivi. Mais où sont les Pikmin? Eh bien mon petit Faferol là. Je sais pas même pas ce qu'on a Faferol, mais bon. Ils sont à l'intérieur, donc on va tous les sortir. Voilà, ok. Allez, coutard. Oui, mon dedans. Je vois l'oignon fait office à la fois de moyen de transport et de nid pour les Pikmin. Parfaitement, c'est tout à fait ça. Lorsque vous êtes sous l'oignon, appuyez sur A pour faire entrer ou sortir des Pikmin. J'avais programmé mon KopPad de manière à pouvoir surveiller l'état des Pikmin. Donc il installe un nouveau, je sais pas comment on peut appeler ça, un nouveau module. Info les Pikmin. Ok. Ah bah tiens, déjà, il y a un petit mur à casser. Alors Pikmin, c'est un jeu vraiment d'organisation. On peut voir que je me charge du mur, mais en même temps je me charge de cette plante. Ça lui va pouvoir ramener... Ah tiens, un papillon, est-ce qu'on peut le tuer? Attends, on va s'éloigner, voilà. Je suis sûr qu'on peut le tuer. Ah bah ouais. Et le ramener. Alors ces murs-là sont incassables par les Pikmin rouges, donc ça sert strictement à rien. Allez, vous finissez de casser. Voilà, parfait. On va sortir ces Pikmin et on va aller tuer le Bulbax qui se trouvait là-haut. Alors, façon pour le tuer plus rapidement, il faut lui jeter dessus. Voilà, si on lui jette bien dessus, il est one shot. Sinon, il faut vraiment lui retirer la vie peu à peu. Donc ça va plus vite. Donc, je te conseille vraiment de lui jeter sur la gueule. Des morceaux de pont. On va les prendre. Là, pareil, il y a une petite plante, on va la prendre aussi. 1, 2, 3 et 4. Ça devrait être suffisant. Parfait. Alors, l'eau. Je vais te montrer un truc. Si je jette mon Pikmin dans l'eau, on va voir ce qui se passe. Voilà, il commence à se noyer. Il est en train de crier, le pauvre. C'est terrible, ce Pikmin se noie. Il faut vite que j'utilise mon sifflet avec cet air pour le ramener vers la taverne. C'est justement ce que j'allais expliquer, mon petit Alph. Je crois que c'est ça. Justement ce que j'avais expliqué aux viewers. Alors si Pikmin panique, rappelez-les avec ZR pour les sauver. Voilà. Donc pour le sauver, hop, on spamme le sifflet et on le ramène. On est ici. Pareil. On va sortir tous ces Pikmin. Ok, c'est bon, je crois que j'ai tout sorti. Bon là il y a un pont, il n'est pas fini. Justement, il y a des morceaux de pont à gauche que je viens de voir. Voilà, juste ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Compte juste... Oh! Ah non, je vais jeter un en trop. Et ici, il y a une petite note. Ok. Alors, quand ils ont fini de transporter les fragments, ils se réunissent là où ces derniers se trouvaient. Ouais, ça, on a pu le remarquer. Il n'y a rien ici, tiens. Non. Il n'y a l'air de rien avoir. Hop. Allez, venez ici. Il m'en manque 3. Où sont... Ah, ils sont ici. Il y en a un là et 2 ici. Ok. Donc maintenant, le pont est fini. Je présume. Ouais, c'est parfait. On va pouvoir aller par là-haut. Ah, un bulborbe. S'ils ont cette chance. Alors, un petit conseil pour pas se faire tuer nos Pikmin, en fait, il faut le taper par derrière. Ça évite qu'il arrive à manger nos Pikmin. Mais sinon, sa faiblesse se trouve au niveau des yeux. Donc, on va viser les yeux. Let's go! Bon, j'ai mal visé. Voilà, si je les jette vers l'avant, ils commencent à les manger. Que si je les aurais jetés derrière, il n'y aurait eu aucun problème. Bon, c'était juste pour vous montrer. Allez! On est en train de manger tous mes Pikmin, là, ça va pas aller. Voilà. Bon, il y a eu des pertes, j'ai eu 4 pertes. Mais bon, c'est pas grave. Une petite notice. Bon, avant, on va ramener lui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Si vous êtes en danger, mettez-vous à l'abri dans une cachette et attendez pour une suite. Ah, ça, je savais pas du tout qu'on pouvait se cacher dans l'herbe, tu vois. Alors, ça va même pas la peine. Je suis sûr que je peux pas. Un Pikmin rouge, je vais en se faire électrocuter. Bon, juste pour le fun, je vais montrer. Hop! Voilà, il se fait griller et... Est-ce qu'on peut le ramener à la vie? Ouais, ça va. Donc il faut pas le laisser en fait, il faut le rappeler avec le sifflet pour pas qu'il se fasse cramer. Donc vous ramenez ça, c'est bien. Ils vont dégager ce pont. Organisation. Hein. Il faut la grosse organisation. Ok. Et en attendant, on va rappeler cela et sortir les Pikmin qui viennent de pousser. Ça, on a 41 Pikmin, c'est déjà pas mal. Alors, est-ce qu'on va découvrir de nouveaux Pikmin dans cette région? Alors ça, aucune idée. Voilà. Ok, il n'y a rien d'autre de toute façon. Eux vont avoir fini quand j'arrive, non? Ouais, voilà. Ok. On est déjà à un quart du temps. Putain, ça passe vite. Oh. Mademoiselle Brittany, t'es consciente? Est-ce que j'arrive trop tard? Elle est moche! Réponds! Mademoiselle Brittany, pourvu qu'elle soit toujours en vie. Non. Y'a rien du tout, si. Ah! Elle répond. Cucu, tu as? Alph, tu es tout près d'ici. Désolée, je m'étais endormie. Je ne bougeais plus et j'avais l'air morte. Hi, vraiment, j'ai un sommeil de plomb. Mais écoute plutôt ça, j'ai aperçu par là-bas quelque chose qui ressemble fort à un fruit. Moi, je ne peux pas sortir d'ici. Tu ne ferais pas aller voir à ma place? Bah, j'ai pas le choix. Hein. Reste ici, il faut rien. Comme d'habitude, on sait tous très bien que les femmes ne font rien, ne foutent rien. Ouah, ouah, il est encore plus gros que ce que je pensais. Si c'est bien un fruit, c'est une énorme découverte. Il faudra l'amener au track pour l'analyser. Mais comment faire? Eh ben, grâce à nos chers amis Pikmin. Là, viens, toi, t'es tout seul. Bon, ça, je peux rien faire, regarde. Je peux rien faire. Donc là, il y a un petit endroit à aller. Ouais, là-haut. Petite grotte. Waouh! C'est beau. Ça ressemble à du quartz. Quartz cristal. Super beau. Ah, il y a un nouvel oignon là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, regardez! Il y a un nouveau Pikmin à l'intérieur. Ok! Allez! On lui jette tout ça dans la gueule. Et tu vas crever. Parfait. Ah, les nouveaux Pikmin Rock. Ils sont vraiment pas mal. Hein. Les petits êtres qui étaient prisonniers de la créature primitive me regardent. Est-ce que ce sont des Pikmin? Bien sûr, ce sont des Pikmin. Ah, il y en a un qui est attiré par... Ah, ils veulent leur vaisseau. Ok. Il suffit de les jeter. Donc à chaque fois il faut les rappeler hein. Parce que voilà, ils se cognent comme des cons, on a pu voir là, il y en avait deux qui refonçaient contre le truc. Mais après ils arrivent plus à les casser, donc faut les reprendre et les jeter. Et il y a une petite note avec. Je vois, leur oignon était emprisonné. Maintenant que nous avons une espèce de Pikmin supplémentaire, je peux utiliser L pour choisir lequel je vais lancer. Ah c'est pas mal tiens cette notion. Appuyez sur L pour choisir ce que vous voulez lancer. Et pour les regrouper par espèce, je disperserai le groupe avec B. Ah bah tiens, justement, le monstre, vous allez le ramener. Énumération en cours, vite, vite. Ah, ils ont ramené la fraise. Oh, un message du drac. Dilute, analyse de la composition du végétal. Analyse en cours, analyse terminée, une baie ensoleillée. Et on remplit nos provisions comme ça. Ce qui nous permettra de survivre pour plusieurs jours. Vitamine U présente en grande quantité, BDT. Fruits possédant des graines. Culture sur Koppaï possible. Zut, jus consommable par l'équipage. C'est bon, t'as fini? Je vais créer un fichier rapafoutier sur mon KopPad. Ok, il nous installe un nouveau module. Rapport fruitier. Ok. Mais bon, je ne m'y connais pas grand-chose en végétaux. Je devrais laisser cette tâche à la spécialiste, Mademoiselle Brittany. Quand on l'aura récupéré... On va chercher la petite note ici. Ils sont durs comme le roc. Génial. Allez, ici. Il y a plein de cailloux à casser. Et avec une petite palette. Ici, on continue. Non, revenez ici, j'ai dit. Merci. Et une petite note encore. Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là? Les pouces seront de la couleur des Pikmin qui étaient les plus nombreux à transporter une prise. Donc en fait, si je mets un Pikmin rouge et deux Pikmin rock sur, sur une palette, par exemple, et ben, ce seront les Pikmin rock qui ramèneront la palette. Là, il me prend un petit peu plus de Pikmin. Vas-y, excite-toi si tu veux. Hop! Allez, encore deux. C'est bon. Donc là, on peut voir. Regarde, juste à droite. Voilà, je peux changer mes Pikmin. L'ordre que je veux les lancer. Donc là, je vais changer. Je vais lancer les Pikmin Rock. Allez, mitraillette. Et des petites palettes à ramener. Hop, hop. Parfait. Ah merde. Voilà. Donc on va récupérer ceux-là. Il y a des Pikmin que j'ai laissés. Ils sont au niveau du drac. Bon, on va les laisser pour le moment. Ah, les jours passent super vite par contre. Hein. On voit pas le temps... On voit vraiment pas le temps arriver. Hein. Le temps passé plutôt, n'est-ce pas? Allez, on y va. Ici, il n'y a plus rien à faire. Comme sur les côtés, s'il n'y a pas quelque chose. Non. Il n'y a que de chez. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir atterrir voilà, à cette nouvelle zone en cassant le mur avec nos Pikmin Rock. Allez, les amis. Non, je ne suis pas les Pikmin. Je suis pas les Pikmin rouges. Hop. Voilà. On ramène tout. Pas en perdre. Attends, il y a un Pikmin ici. Il provoque d'importants dégâts si on les lance exactement sur quelque chose. Ok, ça fonctionne comme les Pikmin violets dans Pikmin 2. Ah, je t'attendais, impossible de casser ce mur. Bon, attends, je lis la notice et je m'occupe de toi, chérie. Jetez vos équipiers pour franchir des obstacles. Allez, on va te sauver. Tiens, tant que ça, de toute façon. Revenez. Et on jette. Voilà. Brittany, ouais. En rose, c'est génial. Phew, enfin libre. Je n'avais vraiment assez de passer la nuit à la belle étoile. Ah, j'ai une de ces fins. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que ces créatures? Oh, des Pikmin, hein? Ils sont top chou. Mais j'y pense, Alph. Regarde là-bas. Ouh. Ah, un citron. Il y a un autre gros fruit. Nous allons devoir travailler en équipe pour le récupérer. Alors, on s'y met. Donc, on change. On prend Brittany. On la jette. Et après, on va lui donner quelques Pikmin. Voilà, parfait. Maintenant, appuie sur Y. Comme ça, je pourrai prendre la tête des opérations. Voilà. On va appuyer sur Y. Appuyer sur Y pour changer de meneur. Et séparez-vous en deux groupes pour optimiser votre travail. Voilà, ça c'est de l'organisation. Et on va ramener ce fruit. Ok, parfait. Pour l'instant, on vous est tous venir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici? Tout, 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 tout. C'est quoi ça? C'est rien du tout. Ok. Donc ici il n'y a rien, donc on va pouvoir aller à gauche. Ah, il y a des bestioles où il faut les Pikmin. Non, dégagez. Où il faut les Pikmin Rock. Donc hop, on va en prendre. Et on va s'occuper de ces bêtes. Ok, en les jetant dessus, ça les one shot. Parfait. Eux donc vont le ramener à leur vaisseau. Donc je vais les laisser faire. Hop, ça on casse. Celui-là on casse. Il n'y en a pas un autre. Non, il n'y en a pas un autre. Ok, ok, ok. Bon, tant que les autres Pikmin ramènent tout au drac, nous, on va s'occuper de construire ce petit pont. 26, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Est-ce que c'est bon? Voilà, il en manque un. Voilà. Et une nouvelle note. Visez ses yeux. C'est ce que je disais tout à l'heure, tiens. Faiblesse au niveau de ses yeux. Mais franchement, je préfère taper à l'arrière. Au moins, je suis sûr qu'il ne mange pas mes Pikmin. Hop, on change. On prend un Pikmin de rock et on le jette. Ok, bon, il reste encore des autres morceaux de pont. Il y en a pas mal quand même. Hein. Ok, c'est bon. Voilà, Alph, tu vas rester ici, tu vas aller revenir chercher les Pikmin qui vont se poser ici. Et moi, en attendant, je vais retourner un petit peu au drac pour voir ce qui se passe. Ouh, ça sonne. Allez, ils sont un peu lents, ils sont un peu mous du genou, par contre, les Pikmin. En fait, on pourra voir plus tard qu'il y aura plusieurs stades d'évolution, parce que je pense qu'ils ne l'ont pas encore montré, et je pense qu'ils le montreront. Il y a le niveau feuille, après il y a le niveau bourgeon. Et après, il y a le niveau fleurs. Ils sont beaucoup plus rapides et un petit peu plus puissants. Ceux-là, pour eux, sont extrêmement lents. À chaque fois, je dois les attendre. Sinon, après, ça les abandonne. Voilà. Ah, 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 la queue, le. Tout le monde s'éclate. Ah, la queue, n'importe quoi. Ça, c'est... Ah, tiens, il y a des Pikmin Rock ici à ramener. Donc, on va changer. Hop. Ok. Là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok. Ah, d'accord. Ah, c'était juste ici. Ah, bah, c'est parfait, c'est un chemin plus rapide. La nuit est en train de tomber. Il ne fait aucun doute que les Pikmin encelés vont se faire dévorer par les créatures nocturnes. Ouais. Ok, il y a une zone limitée pour pas qu'ils se fassent manger. Mais si on s'est près de leur oignon, ils devraient pouvoir entrer tout seuls. Au coucher soleil, les Pikmin meurent s'ils ne sont pas à côté d'un oignon ou avec un meneur. Et... il faut vite que j'aille chercher les Pikmin esselés. J'ai encore des Pikmin qui se trouvent à leur vaisseau. Allez. On va s'occuper de ça. Et on va aller chercher la petite note avant. Le Pikmin. Voilà, et on rejette. Parfait. Je pense pas que j'en ai oublié. Tiens, le radar détectait quelque chose. Oh. Le signal provient d'ici. C'est sûrement le capitaine. Ah, peut-être. Ça, je pense pas qu'on aura le temps. On ira dans le prochain épisode. Allons vite voir. Je n'ai pas de temps, Alph. On va prendre juste la petite note. Sur le KopRadar, placez sur le dessin, puis touchez, allez-y pour vous y rendre. Ah ouais, ok. Oh, on ramasse vraiment toutes sortes de notes par ici. Si je me souviens bien, il y a une fonction, allez ici sur le KopRadar. Il faudra que j'essaie ça quand j'aurai l'occasion. Tout à fait. Allez. Vous allez rester ici. Bon, vous allez venir avec moi. On va aller chercher les autres Pikmin. Non, c'est pas par là. Là, si je me trompe d'endroit, ça va pas le faire. Il est où le pont? Il est ici. Attends, toi, tu restais avec les autres Pikmin, en fait, Brittany. Hop. Voilà. Donc 52. En espérant que les 17 autres sont les Pikmin Rock qui sont partis à leur vaisseau. Ah oui, il y a des pouces. Alors vite, il va falloir que j'y sorte. Bon, franchement, on a fait pas mal de choses hein, pour cette journée. Hein. Le temps passe plutôt rapidement, mais on a fait pas mal de choses. On a bien découvert un peu la map. Donc, je suis plutôt satisfait. Après, je sais pas si d'autres let's players ont fait mieux que moi. Mais ça, on s'en fiche un peu. Tiens, voilà. Ils ont poussé en bourgeon. Donc, ils seront un petit peu plus rapides. Et nos 17 sont ici. Donc, pour les faire entrer, rien de plus simple. On fait ça. On fait OK. Voilà. Ah, c'est quoi autour de moi là? Aucune idée. Ah, c'est le temps, OK. C'est pas autour de moi, c'est le temps. Bon, c'est bon, je pense pas qu'on ait eu de perte. Britannia, les 52 autres Pikmin. Donc, oh, franchement, je suis satisfait de cette journée. Ouais, pour s'assurer, hop, on rappelle tout. 52, parfait, et on reste dans la petite zone. Ou de toute façon, on est à côté, ils sont à côté du meneur, donc il n'y a aucun problème. Et donc si malheureusement on en oublie, s'ils sont pas à côté du meneur ou pas dans la zone, les Pikmin vont se faire manger au moment où on part. Non, on va pas passer l'histoire, on va le laisser, c'est plutôt... Je trouve ça plutôt beau. Donc on... Voilà, on peut voir les monstres qui apparaissent. Et si on laisse nos Pikmin, et ben ils se font dévorer tout cru. Ah, une bonne deuxième journée. Oh. Qu'est-ce qu'ils font la danse, ils font un seul ça, je sais pas. Ils se battent. Oh, oh, ils fusionnent. Oh, il n'y en a plus qu'un. Alors les oignons peuvent fusionner. C'est fascinant. Ah, ça, hey, c'est un truc que je connaissais pas du tout. En même temps. Allez, analysons le reste de la nourriture qu'on a trouvée. Un citron. En même temps, je peux pas connaître ce que c'est spécifique avec Pikmin 3. Alors, ça en fait un. Il est rempli, celui-là. Parfait. Un deuxième. Ah non, il n'est pas rempli. OK. Je m'occupe de la gestion des stocks de nourriture. 100% tout pour moi et un tout petit peu pour Alph. Je pense vraiment qu'à bouffer celle-là. Nous avons tout ce qu'il faut. Hihi. Ah, m'énerve qu'on fait ça. Je vais avoir de ça. Exploration jour 2. Alors, on va avoir une forte croissance. Voilà. Parfait. On s'en fout du debriefing. On fait un petit A. Après analyse, il s'avère que la nourriture que nous avons récupérée est comestible pour les copiens. Copains. Il y a sûrement encore beaucoup d'autres fruits sur cette planète. Cette découverte et une retrouvaille avec Mademoiselle Brittany m'ont redonné l'espoir. Alph. Et là, on retourne dans l'espace. Sauvegarde en cours. Oui, on sauvegarde. Sauvegarde effectuée. Exploration. Jour 3. Eh bien, les amis, on va s'arrêter ici. Bon, avant, ils font leur petite discussion. Nous avons enfin récupéré une source de nourriture comestible sur cette planète inconnue. Oui, ce jus de fruits était 100% délicieux. Tout à fait, mademoiselle Brittany. Un goût comme celui-là, ça ne se trouve pas sur Koppaï. Il y a sûrement d'autres variétés de fruits par ici. Allons donc les chercher. Oui, et puis aussi notre chair. Bien sûr, la clé supraluminique. Sans elle, nous ne pourrons pas rentrer sur Koppaï. Oui, c'est, mais nous n'avons pas encore trouvé le capitaine. Ah oui, lui. Allons-y. On le trouvera bien quelque part sur le chemin. Ces ondes qui provenaient de là-bas. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? C'est intestinnement le capitaine. Allons vite le secourir. Tu as raison. Il est sûrement en train de garder de bons fruits pour lui tout seul. Oh, elle passe vraiment qu'à bouffer celle-là. Donc les amis, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et que vous continuerez à me suivre sur cette série qu'est Pikmin 3. Franchement, ce jeu est extraordinaire, il est vraiment génial. Moi, je suis en surkiff. Donc, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode, hein, l'épisode 3 de Pikmin 3. Et sur ce, porte-toi bien et à la prochaine. Allez, salut! N'oublie pas à mettre le petit j'aime si tu as aimé la vidéo, à partager aussi cette vidéo et à commenter, ça me fera extrêmement plaisir.